Bonjour à tous. Donc, on va revenir sur Wackfest et on va continuer un petit peu notre petite carrière. Donc, on était en Challenger, on était en train de finir le Challenger et on avait acheté la voiture pour faire cette étape-là. La limousine, comme vous pouvez voir, il me semble que je ne l'avais pas fini avec vous, donc je l'ai fini. Donc, on va partir sur ça direct. On va essayer comme ça, mais je pense que il va falloir que je lui mette un peu de puissance et peut-être un peu d'accel, mais pas sûr. On va voir, hein, on va voir, on va voir, on va voir. Pour l'instant, on ne sait pas. On va voir comment ça va se passer au départ. Alors, le circuit, ça a l'air de la terre ou du gravier, gravier et asphalte. Alors, bah, écoutez, on va aller à l'essai en standard. Allez. Mais non. Mais oh, mais ils vont bien là. Ah, oh, mais ils font n'importe quoi là, un peu, hein.
Ah, enfoiré. Bah oui. Bah écoutez, hein, je la referai en off, c'est pas de souci, hein. Parce que là, à mon avis, ça va être très très compliqué. Hein, on va pas dire le contraire. Donc, on va continuer. Donc, c'était celle-là que j'étais en train de faire. Donc, on va partir sur celle-là. Alors, celle-là, par contre, on va changer de voiture quand même. Non, mais je vais changer de voiture par contre. Non, ben non. Bon, d'accord, ok, c'est parti. Oh yeah, oh yeah. L'autre est passé derrière. Allez, on va attaquer le dernier tour. Non. Ah non. Non, non, non. Ah, mais je me suis fait griller. Tu es le premier? Ah ouais. Ah, je croyais que c'était le deuxième qui m'avait doublé, mais non, non. C'est bon, je suis le premier. Yes, c'est bon ça. Allez, on continue. La demi-finale.
Et après, quand on a fini ce championnat, on passe en pro. Allez, hop, hop, et hop. Allez, on va attaquer bientôt le dernier tour. Allez, dernier tour. Allez, elle est pour nous. Elle est pour nous. Allez. La finale. Allez, c'est parti. 12 tours. Oh la vache. Allez, go. Ah, mais j'ai fait le con là. Ah, j'ai fait mon bouleg. Ah, j'ai fait mon bouleg là. Hein?
Ah, tiens, parlons de Bouleg. Hein, parce que là, il a fait quand même fort encore. Hein. Il nous avait annoncé fin avril, début mai, les DLC, hein, qu'il devait refaire une vidéo pour nous dire les dates exactes. Hein. Je pense qu'il a perdu encore une neurone, parce qu'on n'a toujours rien, on n'a toujours pas de nouvelles, il a dû perdre encore une neurone. À mon avis, ce mec-là, franchement, il est vraiment pas fiable. Franchement, ça a beau à rien. Et là, sans déconner, faut que son patron le foute à la porte, hein, parce qu'il annonce des trucs qu'il respecte même pas. Franchement, mais son patron, comment il fait pour le garder? Mais je me demande, son patron, il veut qu'il coule la boîte ou quoi, là? Il attend quoi, que la boîte soit par terre pour le virer ou quoi? Non, mais sans déconner. Le mec, il annonce des trucs à tour de rigot, à tour de bras, alors que c'est même pas vrai. Il nous a annoncé aussi, comment ça s'appelle, mince, on the road, les nouveaux camions avec les nouvelles remorques et tout ça. On n'a rien, toujours pas de nouvelles. Il nous a annoncé truck logistique sur PS, Xbox. Plus de nouvelles depuis 6 mois. Non, mais le mec, il annonce des trucs 6 mois à l'avant. Et après, il n'en parle plus du tout. Hein, la mise à jour de Fermbus qu'il a annoncé, qu'il m'avait dit, ouais, ça sera fait que quand Fermbus sera sorti pour Tourisbus, la mise à jour, on n'a toujours rien. Non, mais sans déconner, le mec, faut qu'il arrête de mitonner comme ça. C'est un gros mytho, ce mec-là. Que son patron le foute à la porte. Et il va lui faire couler la boîte. Il va lui faire couler la boîte, je vous le dis, moi. À force à faire de faire cette connerie, ce qui se passe, c'est que les joueurs lui rentrent dedans. Lui rentrent dedans et après, ils gueulent, ils bloquent les gens. Hein, c'est pour ça que TLM Studio, maintenant, il a dit, maintenant que vous démerdez avec Aerosoft, parce que sûrement qu'ils sont aperçus que l'autre a raconté tellement de conneries qu'ils veulent plus se mouiller. Hein. Comme ils ont dit, maintenant, démerdez-vous avec Aerosoft, mais ils ont bien raison. Hein, mais Bouleg, là, hein, maintenant, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il bloque les gens. Comme ça, il est sûr de que ça n'arrive pas aux oreilles à son patron. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une combine, hein, ou même qui habite en Allemagne, qui voit cette vidéo, ou qui peut faire quelque chose, hein, ou quelqu'un qui peut arriver à aller voir le patron de Fabien Bouleg, là, le Bouleg, lui dire, regardez un peu les vidéos qu'il fait, regardez ce qu'il annonce, et regardez ce qui se passe. Et je peux vous dire que là, peut-être Bouleg... Hein, il fera gaffe la prochaine fois à ce qu'il dit, mais de toute façon, comme il a que la moitié d'une neurone, et encore la moitié d'une neurone, je suis gentil, hein, parce qu'il en a plus du tout maintenant. Hein, franchement, faut arrêter. Faut qu'ils arrêtent. Hein, Bouleg, faut qu'ils le foutent à la porte maintenant, et qu'ils trouvent quelqu'un de mieux. Hein, franchement, ce mec-là, faut vraiment, je sais pas, faut l'attraper, lui mettre du scotch sur la gueule, et puis qu'on n'entende plus parler de lui, hein. Parce que c'est vraiment un bois à rien, ce mec-là. C'est vraiment... on peut pas... voilà, hein, c'est... tous les noms d'oiseaux qui peuvent exister dans la langue française, ils les méritent. Hein, qui existent dans le monde entier. Hein, et le problème, c'est que quand vous lui dites les choses, quand vous lui dites « Ouais, t'as dit ça », le mec, il vous bloque, parce que comme ça, il répond pas. Alors, parce que monsieur n'aime pas se prendre les reproches dans la tronche. Tu veux pas te prendre les reproches dans la tronche, mais par contre tu veux bien encaisser notre pognon qu'on achète tes jeux. Eh bien écoute, continue comme ça, tu verras que tes jeux, tu vas te les foutre dans le cul, hein, et tu vas te les enfoncer bien profond. Hein, je pense qu'ils vont me ressortir par la bouche. Hein, t'auras bien la mousse au chocolat avec. Hein. Hein, la mousse au chocolat de tes jeux, là, tu l'auras. Hein, si on te l'enfonce dans le cul et que ça ressort par la bouche, tu vois que la mousse au chocolat, tu vas l'avoir dans la gueule. Hein. Parce que là, t'es en train de... Je sais pas, moi, je serais ton patron, il y a longtemps que je t'aurais foutu à la porte. Hein. Déjà, je t'aurais foutu un blâme, deux blâmes, et là, à l'heure qu'il est, tu serais dehors. Alors, regarde, y en a un qui faisait des super vidéos, qui a annoncé des trucs, ça marchait très bien. C'était Matten de chez Sodesco. Hein. Et ben, on le voit plus, lui. Apparemment, ils ont dû le changer de poste ou un truc comme ça. Mais au moins, lui, il était fiable. Que toi, que le Bouleg, là, il est pas fiable du tout. Hein. Il annonce des trucs qui sont même pas vrais. Le mec, je sais pas, il doit arriver la nuit, il se dit, ah mais tiens, demain je vais faire une vidéo sur ce que j'ai vu cette nuit, c'est ce que m'a dit mon patron, et il croit que c'est la vérité. L'autre, il croit que ce qu'il rêve la nuit, c'est la vérité. Non, faut arrêter les conneries un peu là.
Faut peut-être qu'il arrête, ce mec-là. Non, mais faut vraiment qu'il le foute à la porte. Il a même pas le droit de vivre, ce mec. C'est sans déconner. Il a même pas le droit de vivre. Il fait d'avance mensongère. Il devrait être en prison. En prison. Faudrait qu'il le mette en prison, ce mec-là, tellement qu'il raconte de conneries. Au moins, pendant cela, il ne la rencontrerait plus. Ou alors, il raconterait des conneries, mais... Hein, les taux-là, il lui ferait la peau, peut-être. Remarque que ce ne sera pas une grosse perte, hein, s'ils lui font la peau. Mais je suis sûr que... Il sera en tôle. Je peux vous dire qu'il fera peut-être pas long feu à raconter ces conneries. Hein. Parce qu'il y en a peut-être plus d'un qui l'attendrait et qui dirait « Au fait, t'as annoncé ça, mon fils, il dit que tu racontes que des conneries. Attends, je vais te lyncher la gueule. » Il se ferait lyncher la gueule, je vais vous dire qu'il raconterait moins de conneries. Hein. De toute façon, c'est qu'un enfoiré, ce mec-là. Hein. C'est vraiment un enfoiré. Un mytho d'enfoiré. Franchement, il mérite pas de vivre. Il mérite pas de vivre, ce mec-là. Je sais pas comment il fait pour se balader dans par chez lui, dans son pays, sans que les mecs lui cassent la gueule. Hein. Je ne comprends pas. Parce que depuis le temps, je pense que les Allemands doivent l'attendre au virage. Je sais pas comment il fait. Il doit se cacher, hein, c'est pas possible. Hein. Il doit pas sortir de chez lui. Hein. Voilà, il reste enfermé dans le bureau toute la nuit, puis il doit sucer tout ce qu'il trouve. Hein, je sais pas, mais bon... Il doit pas savoir marcher à la verticale, lui. Il doit marcher qu'à quatre pattes. Hein. Non mais sans déconner, c'est quoi ce mec-là? Mais Aerosoft, virez-le! Virez Bouleg! Virez-le, il raconte que des conneries! Et après vous étonnez qu'on vous rentre dedans! Mais non, mais faut virez-le, vous allez voir qu'on vous rentrera plus dedans! Mettez quelqu'un de fiable, qui dit pas des conneries! Il dit des trucs, il n'y a rien qui va! Faut arrêter les conneries un petit peu maintenant! Bon alors, j'ai dit que celui-là, je le referai en off. Bon alors, du coup, celui-là, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Bon, il me restera plus que celui-là à refaire en off. Ou on le retente, allez, on va le retenter de suite. Et comme ça, si j'arrive à le faire, on arrêtera la vidéo et on partira sur une nouvelle vidéo directement sur le pro. Allez courir, c'est parti. Allez. Ah putain. Elle manque un peu d'accès là.
Ah merde. Ah bon. Ben écoutez, on va quitter. On va quitter là. Je vais arrêter la vidéo de suite. De toute façon, ouais, on est à peu près à 26 minutes. Donc, retour. Donc après, ben, le prochain épreuve qu'on fera donc en vidéo, ça sera le pro. Hein, on sera dans les pros. Donc on fera tout ça. Et donc après, il ne nous restera plus que les masters hein, à faire. Je refais en off, moi de mon côté, tranquillement, celle-là. Hein, c'est qu'on vient de faire, là, que je n'ai pas réussi. Donc, je referai celle-là. Et donc, et après, ben, dans la prochaine vidéo, on part directement dans les pros. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!